Actuellement, par exemple, nous tournons avec un effectif de 600 personnes minimum. Et sur nos chantiers d'habitation résidentielle, on tourne avec des effectifs avoisinant les 300 personnes minimum. Donc 1000 personnes environ sur l'ensemble de nos sites. Et ceci va monter en puissance en fonction des projets qui sont amenés à venir par la suite. En prenant l'option d'une politique de renouveau urbain, les plus hautes autorités du pays ont décidé d'engager le Sénégal dans une nouvelle dynamique de création de villes modernes. L'objectif du gouvernement est de rehausser de manière significative l'offre de logements mixtes accessibles à toutes les couches de la population et celui de créer de nouvelles cités offrant diverses fonctionnalités avec notamment le développement de places d'affaires, de zones de production de biens et de services. Des cités administratives, des espaces pour de grands événements culturels ou sportifs ou des rencontres internationales, mais également des infrastructures pour le tourisme d'affaires et de loisirs. Idéalement situé sur l'axe Dakar-Thiès-Mbourg, Diamniadio, qui s'étend sur 1644 hectares, est un pôle urbain en pleine structuration. Il vient désengorger Dakar, qui étouffe faute d'espace. Hyperconcentration d'activités économiques et administratives, forte concentration humaine, déficit d'aménagement de certaines zones sont le lot quotidien de la capitale. La cité, découpée en 4 arrondissements, avec une planification rigoureuse dans l'occupation de l'espace, prend forme avec l'édification du centre de conférence Abdou Diouf, mais aussi de plusieurs projets d'habitat et d'infrastructures socio-économiques par des promoteurs privés et des projets publics. Il s'agit de l'Arena, un complexe sportif multifonctionnel de 15 000 places, un parc des expositions de 20 000 m², un marché d'intérêt national et une gare des gros porteurs, un hôtel 5 étoiles, un hôpital de classe internationale, projet phare du Dakar Medical City, des infrastructures d'assainissement et de connectivité avec la boucle des germes de ville, de l'axe 70, d'un centre commercial avec son complexe cinématographique, des espaces verts et des lieux publics. Des sphères ministérielles et des complexes résidentiels, un parc technologique numérique, des infrastructures socio-éducatives, sanitaires et sécuritaires, et enfin un parc industriel et l'installation d'unités de production de vaccins. Tous ces projets, générateurs de milliers d'emplois, contribuent à la structuration de l'économie, au renforcement du capital humain et au mieux-être des populations. Le plateau d'infrastructure de Diamniadio sera rehaussé grâce au renforcement de sa connectivité avec la région de Dakar et le reste du pays. À travers l'autoroute AIB Thiès et AIB Mbour, le train express régional et la liaison avec l'aéroport Blaise Diagne d'Endias. Cela fait aujourd'hui de Diamniadio un pôle catalyseur pour le développement d'activités économiques et d'une urbanisation maîtrisée, moteur d'une demande de biens et services plus accrue. Ville intelligente, ville pratique, ville ouverte, Diamniadio se prépare à gagner sa place dans les villes post-21e siècle. La politique d'implantation des pôles modernes sera étendue au Lac Rose, à Dagar-Holpa et Denis Biramdao. Le renouveau urbain, c'est aussi Promoville, un programme de plus de 90 milliards de francs CFA destiné à relever le niveau collectif des centres urbains avec l'aménagement et la réhabilitation de 78 km de voirie, la réalisation d'infrastructures, de travaux d'assainissement, d'éclairage public et d'espaces verts dans les communes. La réhabilitation et la construction de commerces, d'infrastructures sociales, sanitaires ou scolaires. Les travaux de la première phase ont déjà démarré dans différentes communes comme Dakar, Durbel, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Mbour et Ziguinchor. Nous sommes ici. Il y a un faible avant d'aller à l'hôpital. Avant d'avoir un taxi, il faut aller à un bâtiment plus grand. Il faut prendre un taxi, il faut prendre une course. Il faut prendre une autre course. Il n'y a pas de mal. Boy dem Marseille bala nga am taxi boy yek da nga dem ba tali bu mag ba kon nak buñ toge tay ba gis tali ñukoy défar fi contane rek lañ ci am. Nos villes reprennent aussi des couleurs avec la mise en œuvre du programme Ville verte de plus de 10 projets d'aménagement paysager à Dakar et dans les régions.
Ces équipements embellissent les places et agrémentent au plan architectural la beauté des sites au grand plaisir des riverains. Dans la foulée, sera mis en œuvre un programme de modernisation des marchés dans les grands centres urbains, comme les marchés Saint-Dicard, le marché de Kaolack, de Djourbel, des Hachelem, la construction d'un marché moderne à Tcharoï et la réhabilitation du marché aux poissons. Ce coup d'accélérateur n'épargne pas la décharge de Mbobos, qui bénéficie d'un plan spécial de réaménagement et de relocalisation dans le but de préserver durablement les niaïs et les zones vertes de la région de Dakar. Le renouveau urbain s'empare aussi des cités religieuses. Initié par le chef de l'État Macky Sall, le programme entend rénover les grands foyers religieux qui seront dotés de complexes multifonctionnels comprenant des amphithéâtres, des salles polyvalentes, des chambres et suites présidentielles et pour les autres, ainsi que des lieux de retraite spirituelle et traductions simultanées en plusieurs langues, en plus de la rénovation des mosquées. Les localités de Tivawan, Tienaba, Medina Bay, Pikin, Gejawai, Yof et Popangin sont quelques-unes parmi les nombreuses localités qui ont bénéficié de ce programme fort apprécié de toutes les communautés de croyants. Li fe nek ci ay dekkway tax na fune ni gam gi ñu genn gan ñin firsuwar daw bari na ci ño xamni ni daw ñu ñew gam wala bu ñu ñewé ci cérémonie officielle bi dañuy ñibi wat parce que duñu am fuñu dekk duñu am fuñu tok. Le renouveau urbain, c'est enfin un programme de facilitation de l'accès à des terres aménagées pour les promoteurs privés, les sociétés d'intervention publique comme la SICAP, SNHLM, Caisse des dépôts et consignations et les populations pour la réalisation d'importants programmes d'habitat accessibles à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora avec l'appui de la Banque de l'Habitat du Sénégal.